3 et NS4. Collège Mix, Jean-Paul II de Port-de-Paix. Numéro 6, rue Frédéric, zone Chalet, Grigri. Vous capable contacter nous dans numéro téléphone ça yo. 41 55 66 68 42 06 72 75 43 26 60 74. Où t'es et Melius Futuro, assuré d'un avenir meilleur. Col à droite, parlant qui n'a département nord-ouest, mais Neti Mounio Baizo Boate, petite section, moyenne section, grande section, première année, jusqu'à 6e année fondamentale, de 7e jusqu'à NS. Collège Mix, c'est Jean-Paul de Port-de-Paix, directeur fondateur, révérend, père Cholet Auguste, directeur pédagogique, Roland Léjuste, étudiant finissant en sciences de l'éducation, Ménard Fedner, suiveur en général, Louis-Jean-Tony, préfère discipline. Collège Mix, c'est Jean-Paul II de Port-de-Paix, en faisant la différence, nous sommes la seule référence. Nous sommes la seule référence. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? DHCT est un couillon révolutionnaire, prend devant jeunesse là derrière. Mission, la guerre plate à terre, miraille ignorance, chômage à pauvreté, dans le coup miraille Jéricho. Chaque critique, nous faisons une ronde miraille là. Ou plein pour diplôme international, c'est à toi la besoin de respect dans le monde là, à toi pour travail à l'ouvrir deux battants, bah l'entrée. Ou longer doit sous professeur, c'est l'huile ou la guerre dans le moteur nous, pour nous faire plus recyclage sous méthode pédagogique moderne. Ou dit trop option, nous fait carrément pour jeunes suspendre à risquer vie dans Matisse cadavre. Les ou dit stage, nous garantit pour meilleurs étudiants. Les ou shooter sous local ou lever plume sous donne pour mettre étudiants dans meilleures conditions pour apprendre. Pour attaquer formation, nous réviser cursus avec syllabus, rédiger livre qui adapté à la réalité nous pour chaque option. Ou dit côté au pral travail, mais c'est là ou pas fort, nous déchaîner dans les étudiants, formation avec technique pour monter propre business. Ça fait 7 tout miraille là, nous pral frapper. Vin fait 7 tout miraille Jéricho Paola, dans sérigraphie, décoration événementielle, maquillage, montage vidéo, photo, vidéographie, dépannage cellulaire, dépannage d'ordinateur, graphique design, carrelage informatique, bureautique, technique window, cuisine et pâtisserie, cosmétologie, plomberie sanitaire, électricité, climatisation, réfrigération, anglais, espagnol, technique douanière, technique bancaire, secrétariat, trilingue, administration des ONG, comptabilité informatisée, contremaître, hôtellerie et restauration. Passez inscrit du 1er au 30 août et puis réclamez un boost d'études free ou se composer dans les 4 même petit bagaille là. 100 boost d'études pour 100 premiers inscrits. Si vous barrez du 1er au 22 septembre, courir prend demi boost Paola dans DHCT. Début des cours, 2 octobre 2023. DHCT Cap-Haïtien, rue 7F et rue 8G. Téléphone 32 32 31 31 29 42 69 69 37 12 35 42. Port de Paix, rue Benito Silva. Téléphone 28 17 24 24 42 09 06 06. Soyez au pas avec les nouvelles technologies. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. Vodoum Sekiltin. Andi yon kout aibobo pou Boukman, Makandal, Sankara et Latriye. Ak tout San Barweyo ki te choisi sakrifye vyo pou eritay sa. Vodoum Sekiltin. Mevito suive emisyon sa. Chak samdi, soti 10h pou yve 11h nan matin. Vodoum Sekiltin. Se detikoze sou racine nou. Sou Vodou Lakay. Sou Toxic FM. 91.3 FM Stereo. Yo, Toxic FM, la station qui marche partout avec vous. Toxic FM, radio jeunesse alliée, tendez. Toxic FM, la station qui marche partout avec vous. Toxic FM, radio jeunesse alliée, tendez. Yon seul radio doit tendre. Depuis Jaja Bosch, vous réveillez. Toxic FM, information.
Radio formation distinction c'est salié. Yon seul radio doit planer. Depuis j'ai déjà pas chance pour réveiller. Toxic FM. Information formation distinction c'est salié. Toxic FM, la station qui marche pas tout avec vous. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kasika sur les cadres. Le vendredi 13 octobre 2023, amis sportifs, auditeurs de partout, bonsoir. Très content pour nous capables là, dans le cadre des dernières sorties émission sport à la une, mais plutôt sport 411, va excuser non pour ce maintenant. Et comme à l'ordinaire, sport 411 qui passait sur Audra Duan, du lundi pour le vendredi, de 5h à 6h avec moi-même Jean-Kerby et Avril Patrick. Manœuvre technique, c'est toujours Noël Emmanuel, lui-même café et micro et Jean-Kerby qui accompagne avec Avril Patrick, micro 2. Bonsoir, comment nous bonsoir, Kerby. Bonsoir, tout le monde. Très content pour nous avec vous aujourd'hui.
c'est le dernier numéro Sport Académie 11 qui rentre la caillou. Donc nous espérons que nous allons passer un bon petit temps ensemble. Merci Patrick, nous saluons DG Radio, nous saluons directrice là, nous saluons tout ça flan et chaque monde qui déjà gagne un petit récepteur en amont pour capable suivre et dernière sortie émission Sport Académie 11 là. Et nous saluons chaque monde tout qui en bas live Facebook là, soit sous page émission ou bien sous page radio pour capable suivre émission qui est le Sport 91 là. Très rapidement sur le plan national, différents points que nous pourrons détailler, nous connaissons la sélection haïtienne là qui t'apprend le juillet hier face à l'équipe Suriname Nord. Ça nous t'est pensé ou bien ça nous t'apprend des sélections haïtiennes Nord. C'est pas salier puisque sélection haïtienne Nord qui t'apprend la chuter devant l'équipe Suriname Nord. Et un but partout, nous prenons gain chance tout pour que nous capables de parler de Neglia Modésir. Nous connaissons juste sur l'équipe qui est Montpellier en France. Eh bien, qui est qu'il est après la distiller un passe décisif qui permet à l'équipe Montpellier d'après la fin match nul. Et nous prenons parler autour de un nouveau record pour la et pour et Meshack Jérôme. Et nous connaissons qui c'est international haïtien qui est dit à poil égalé France Gilles en tant que quatrième et joueur qui plus capé dans l'histoire de sélection haïtienne. Et puis à l'échelle internationale, nous parlons avec résultat des matchs qui étaient gagnés dans le cadre éliminatoire Coupe Amérique du Sud. Là. Nous parlons tout avec résultat qui enregistré jeudi en an et qualification pour Euro 2024 là. Nous parlons de Cristiano Ronaldo qui t'apprend le marqué un doublé pour l'équipe Portugal dans la victoire 3-2. Nous parlons tout de Ronaldo encore. Nous capable dit qui c'est joueur qui mieux payé dans le monde football là avec une somme de 260 000 $ et pour Cristiano Ronaldo qui est qui devancé Lionel Messi qui a touché yon a fait de $135 000. Et puis la fonk pied dans basketball là pourquoi pas dans tennis sans penser c'est tout prince ayo avec un pilote qui nous pral détailler dans journal là pour jeudi à la n'a pour coup de pause n'a tourner pour développement information. Nous retournons très rapidement après coup de pause là puisqu'il est déjà fait 17 minutes passé des 5 heures dans tout studio radio Toxic FM 91.3 et merci Emmanuel qui est toujours là pour capable faire manœuvre technique yo Patrick information sur le plan national j'aime te dire non sélection haïtienne là nous connaît qui tape affronter l'équipe Suriname de football qui tenait en échec un but partout donc qui sont pensés pour match nul ça des équipe haïtienne football. Bon, et Kébian dit son match nul qui pas fait affaire sélection puisque nous connaissons dans groupe ça gagner Cuba qui devant nous, gagner Honduras qui devant nous, gagner Jamaïque tout qui devant et c'est des qui peut cap finir en première position qui peut le qualifier pour jouer les quarts de finale et pour au moins garder ce capable à jouer et Copa América qui va le faire en été 2024 Haïti. Et hier, qui était commencé avec un système de 4-4-2. Et côté, c'est Johnny Placide qui était dans le camp. Kans Akus à droite. À gauche, c'était Alexis Saint Junior. En défense, Jérôme Meshack avec tout Kadou Adé. Et puis, comme demi défensif, c'était Calfred Sinté avec tout Brian Aceus. Et puis, demi offensif, c'était Michael Cantave avec Fabrice Picot. Et puis, devant, c'était Nazon avec tout Luzis Didson qui joue un très bon match pour la sélection haïtienne de football. Donc, Haïti qui t'a pris le premier goal depuis dans 7 minutes de jeu avec Aps, un joueur qui a joué dans l'équipe Bologna et en Italie, j'ai ma préférence, qui t'a inscrit et premier goal là et dans le match. Le joueur qui était parti de la gauche en décision perte de balle et de et Karen Sakus et puis les points de vitesse Calfred Sinté qui passe de faire faute là et puis le fait croiser donc Haïti qui était encaissé depuis dans 17e minute de jeu en disant défense qui part vraiment beau parce qu'une balle mais défense là donc tout le monde qui t'a pour match là pardon
qui te gardé match là et tu vois que et défense lui même les pas de vitesse donc deux joueurs derrière et chaque Jérôme qui très lourd et puis il cadre de nous connait dans sélection un moment ça qui pas très bon sélection pourtant là joue pour club lui son joueur qui toujours distingué après et joueur moi c'est qui était bien joué pour nous donc si bien joueur est sur le plan négatif aspect négatif de France bien joueur qui était bien joué tout par exemple Lucis Disson et qui font un très bon match bientôt et Fabrice Jean Pico qui t'a fait un très bon match et Michael Cantave même s'il t'est marqué mais et a dit dans l'ensemble m'a trouvé le déjeu un très bon match pour sélection, sélection. Donc c'est comme ça mais Haïti les mêmes qui fait match nul qui pas bon pour la sélection haïtienne de football côté et Simba Touré nous t'a doué et en 4e position, position et dans classement ça donc il y a des joueurs Kebi mais si Metou qui pas t'a dans sélection encore par exemple et on joue avec Michel Jérôme pour qui raison et on est donné avec Michel Jérôme encore donc son joueur mais ces moments dans sélection passé déjà donc il y a un petit jeune capable de jouer par exemple Gavin et tout ça là mais c'est un joueur qui est potentiel et pour le capable qui capable de jouer dans poste là pour sélection ASN football là et puis à droite et Alexis Sian donc Baron pour qui ça Alex Christian lui-même c'est un indéboulonnable sur côté gauche là et son joueur qui pas presque convainc monde et donc son jeu est l'absent très Jean Kirby donc il sait comment on fait sentir mais et, après moi c'est que sélection m'a dit un peu le travail là-dedans et entraîneur qui c'est Pellegrino et début venu c'est le Catarobat donc c'est le Catarobat et au perdu devant Mexique au perdu devant Honduras et il a perdu et il a fait match nul devant Cuba, Cuba match nul devant Jamaïque et hier encore on fait match nul contre Suriname donc et sélection c'est que et c'est pas comme ça sélection faite donc à part de problèmes administratifs qui gagnent et notre fédération mais sous terrain tout et pas gagné et trop grande chose qu'a fait pas c'est parce que problème de yo il a affecté monsieur yo bon, mais sous terrain tout et c'est pas ça du tout côté hier tu gagne seulement 17 joueurs et qui est disponible pour sélection donc 11 monde a commencé et puis sous et six monde était souvent donc à Haïti et hier qui font match nul yon gol partout face à Suriname même si et ou déjà plus occasion sur Suriname yo gagné et Luzis qui fait yon frappe sous poteau donc Haïti qui va fermer mais et c'est comme ça en plus fois les Haïti a joué nous toujours gagné des regrets les matchs à fini et gagné des coups de tête de faire goal nous va faire goal et puis gagné des goals nous bête tête nous pas doué prendre pas doué prendre et c'est comme ça toujours pour la sélection haïtienne de football et après match ça et match nul ça et nous on est Haïti qui va jouer un deuxième match encore parce que c'est la semaine qui va venir le 12 dimanche c'est 15 je dis déjà 13 peut-être parce que c'est dans l'intervalle 16-17. C'est 12 avec. Non, c'est 15. 15. Bon, ça veut dire que l'équipe haïtienne qui t'a dû faire une victoire quand bien même. Parce que nous n'avons pas qu'à tolérer le match de là. Nous n'avons pas qu'à tolérer. Mais ça, et ensemble des haïtiens, attend même c'est ça qui est les victoires. Quoique, après Kata que nous avons fait une battre là, nous n'avons pas dit ça. Ce n'est pas une équipe qui est bon. Et Calderon lui-même et Gampil travaille pour le faire pour qu'il soit capable de jouer une équipe là. Quoi que nous ait des fois Gampil modification qui fait, mais ça l'a cherché pour qu'on joue. Je pense que dimanche Dieu veut que l'équipe Haïti lui-même l'état lui fait et victoire après match nul ça qui est concédé face à l'équipe qui est de Suriname. Oui, on dit c'est trois matchs nuls qu'on fait dans la Ligue des Nations ça. Il fait match nul, 2 goals partout avec Cuba, 2 goals partout avec Jamaïque. Jamaïque plus contre Suriname. Et 1 goal partout avec Suriname. Haïti qui est en 4e position. Donc, première position, c'est Jamaïque avec 7 points. Deuxième, Cuba, 5 points. Troisième, Honduras, 4 points. Et quatrième, Haïti, 3 points. Cinquième, Suriname, 2 points. Et puis, bon, dernier, c'est Grenade qui gagne 1 point après que. Et deux et dernier équipe yo yo pa descendre dans ligue B1 et deux premiers yo pa qualifier et pour et phase suivante là dans éliminatoire et Copa América 2024 et puis et troisième à quatrième a toujours été dans et ligue A donc Haïti qui est allé au moins battre Jamaïque si nous faut d'aller espérer qualification mais il faut que Cuba avec tout a perdu Cuba pas d'affaire victoire
Et puis faut Honduras tout pas faire victoire. Pas faire victoire. Et pour Haïti les mêmes capable qualifier et pour le finir en deux premières places. Mais Jean Lila Haïti de 3 points et Jamaïque gagne 7 points qui déjà qualifié et Cuba gagne 2 et va donc Cuba en deuxième position avec 5 points et troisième Honduras avec 4 points. Donc et bagaille qui compliqué. Compliqué. Pour, et la sélection haïtienne de football dans le cadre et Ligue des Nations de la CONCACAF cap compté pour et nous avons Copa América 2024 qui va être faite dans les pays États-Unis. Bon, Naptan, pour nous connaître dimanche comment ça va passer pour sélection haïtienne. Et puis l'autre côté, il y a une équipe féminine et Montpellier qui est qui va faire un but partout jeudi en la face à l'équipe Bordeaux. Non, ça qui gagne avec championnat France. Bon côté mesdames yo, c'est l'ADES qui t'a pas joué ouverture scolaire dès la 50e minute de jeu pour équipe Bordeaux et puis 10 minutes plus tard sera la 60e minute de jeu gagne Nélia Mondesi qui c'est attaquante haïtienne qui t'a pas délivré une belle passe décisive qui te permet à qualifier joindre égalisation là pour équipe qui est le Montpellier. Et devant équipe qui est les Bordeaux, pensez quand même, c'est tout à fait félicité à Nélia Mondesir qui jusqu'à présent et a continué à faire parler de lui sous terre étrangère. Là. Bon, moi c'est que j'ai gagné, donc ce n'est pas une actualité, faut qu'on a quitté à l'échelle nationale. Bon, moi c'est l'autre actualité qui gagne, c'est question. Et record pour Meshack Jérôme non qui ouais qui égalé France Gilles en tant que quatrième joueur qui plus capé dans l'histoire de Grenadier puisque nous connaissons et Meshack Jérôme même qui t'a pas joué face à l'équipe Suriname dans hier soir et bien on dit donc et Meshack Jérôme ça veut dire qui ouais que depuis année 2000 depuis 2000 surtout avec France Gilles monsieur ça même qui en quelque sorte et dépasser Fonzil dans sa qui gagne avoir avec joueur qui plus capé dans l'histoire de et Grenadio et puis gagner Ricardo To nous a dit qui t'a pas qui était titularisé face à équipe mais plutôt face à la défense de équipe haïtienne face à Suriname et nous a dit qui c'est un tout dans monde qui plus capé pour et sélection haïtienne de football là. Donc nous parlons à l'échelle internationale Jikervi, il y a un match qui était joué dans le cadre qualification Coupe du monde dans la zone Amérique du Sud. La Colombie fait match nul de goal partout avec l'Uruguay. Gagné et James Rodriguez qui était marqué et dans 35e minute de jeu et dans le match football ça donc James qui était l'Europe mais il est toujours à marqué et goal pour la sélection uruguayenne de football. Gain Olivier qui t'a pas égalisé 47e et puis Mateus Uribe son passe de James t'a pas faire des goals à 1 et puis dans toute fin de match gain Darwin Núñez qui t'a pas égalisé sur penalty pour Uruguay. Argentine bat Paraguay un goal à 0 grâce à un demi-volé de Nicolas Otamendi en 3e minute de jeu. Donc Argentine qui fait 4 en plein jusqu'à présent dans l'éliminatoire pour zone Am Sud là. Et puis on va passer sur Argentine comme ça. Oui. Donc monde qui était joué hier pour rappeler que Messi lui-même il pas commencé match là et Martinez était dans camp à gauche Tagliafico à droite Nahuel Molina en défense Romero Otamendi et puis dans l'axe c'était Enzo Fernandez, Mac Allister et Rodrigo De Paul et puis devant c'était Nicolas Gonzalez un peu haïtien par aimé gain Ulan Alvarez avec Lautaro Martinez ça c'est monde ça yo qui a commencé pour la sélection d'Argentine de football rappeler que et Messi lui pas commencé match football là. Il t'a pas frappé et deux ballons sous poteau et premièrement c'est on connaît direct et puis deuxièmement c'est sur un coup franc mais c'était frappé sous poteau pour la sélection d'Argentine et de football hier on a monté Messi on connaît et depuis on pas jouer son joueur qui pour capitaine Otamendi était Gimboa sa capitana et puis les Messi a monté Otamendi était Bailly oui il était Bailly mais c'était pas de prendre
Et puis, Odamendi dit non, ça va pas faire comme ça depuis là. Oui, c'est pour la fois. Qui est le capitaine, donc, il était bien Messi et Brassa. Gagné et Bolivie, qui tombe là, qui a dit 1-2 face à l'équipe équatorienne. Chili bat Pérou 2-0. Et puis, gagné le Brésil qui fait match nul, un goal partout avec la sélection vénézuélienne de football. C'est Gabriel Magalhães qui était inscrit et goal sur un passe d'élément, décision au corner, 50e minute de jeu. Et puis, gagné Beyo, il y a une superbe reprise acrobatique qui t'a poil égalisé pour l'équipe Venezuela, autrement dit Vino Tentoyo. Donc Brésil te joué dans avec Ederson 4-2-3-1 en défense Marquinhos, Gabriel Magalhães, à gauche Guilherme Arana, à droite Danilo, dans l'axe comme deux pivots c'était Guimarães, Bruno avec Casemiro, devant comme 10 c'était Neymar et les gauches c'était Vinicius et les droites Rodrigo et puis Richarlison était dans pointe attaque pour la sélection brésilienne de football qui fait match nul Jean Kirby face à l'équipe Venezuela. Donc, et avant un bel classement, avant de faire un petit bas de bouche sur le Brésil, Argentine en première position avec 9 points différence plus 5. Gagné le Brésil qui est deuxième avec 7 points différence plus 5. Colombie troisième, 5 points différence plus 1. Uruguay quatrième, 4 points. Chili cinquième, 4 points. Venezuela sixième, 4 points. Équateur septième, 3 points. Paraguay, 1 point. Et huitième, 9e, Pérou, 1 point. Et puis bon dernier, c'est l'équipe bolivienne qui gagne 0 points différence moins 8. Non, et 3 journées qui déjà joué dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Donc, Jean Kirby. Brésil fait match nul, on t'a parlé de ça avant match de commencer. Donc Brésil qui pas arrivé gagner équipe Venezuela, donc l'on connaît Venezuela c'est équipe qui t'a le plus faible dans zone. Plus faible dans zone, exact. Avec toute Bolivie, mais Brésil pas capable battre. Donc qui ça vous pensez qui expliquait que Brésil est même il pas jamais qu'à décoller et dernier ça même si dans zone Amérique du Sud dans les toujours bien fini éliminatoire. Maintenant Coupe du monde c'est pas ça, mais après Coupe du monde ça donc on croit yo jouer devant et Sénégal yo perdu. Donc les anima bat là et puis Brésil qui continue avec contre performance. Donc tout ça estimé qui cause et le Brésil les mêmes il pas capable rejoindre figure de gain. Il y a me songer non t'a parlé de ça de l'équipe Brésil là vraiment et ça vient montrer plus et si football brésilien pas gagné encore ça veut dire fini. Et ceci m'a posé tête mes questions toi est-ce que c'est pas manqué produit des joueurs qui Brésil manqué produit des joueurs qui permettent et Brésil trouver dans situation comme ça n'a pas songé ou bien n'a pas gardé Brésil longtemps nous Brésil qui était qu'on a chamé monde mais je ne jodi là devant Venezuela et nous ça qui vraiment pas marché puisque et nous connaît Jean se dit là Venezuela avec Bolivie c'est équipe nous t'a doué considérer comme maillon et qui plus faible dans zone Amérique du Sud là mais Brésil vient monter dans l'autre bagaille tout ça veut dire et football qui était qu'on a produit et au Brésil longtemps je ne je dis à la pas gagné et ceci nous capable même dit que c'est parce que gagné yon manque de production de joueurs OK au dans pays Brésil qui permet ça mais me souhaiter que entraîneur qui Brésil pour le gagner va venir avec va porter plus amélioration peut-être comme ça qui nous capable en Brésil qui nous t'ai perdu longtemps qui nous rejoint. Bon on dit c'est Diniz cap assurer intérimaire il voulait gagner Ancelotti nous pas connait est-ce que il y a toujours pas Ancelotti du moins c'est y a Kimbe Fernando Diniz mais le Brésil qui vraiment et ben petit problème dernier temps ça yo m'a connait tout l'en garder et composition gagner équipe là pas équilibré puisque pas équilibré et gagner 4 joueurs devant c'est 4 joueurs à vocation offensive donc Neymar et Vinicius Rodrigo Richarlison et puis gagner des joueurs tout et yo pas répondre à attente et te gagner et sur la sélection brésilienne donc hier Brésil a joué sur équipe qui sans vie et puis moi remarqué que gagner des joueurs et qui vraiment pas gagner mentalité et des gagnants et la caillou et la sélection parce que nous connaissons Brésil
tant qu'on est en son jeune, on connaît qui pas sérieux. Mm-hmm. Et Vinicius, nous pas capable de faire une déduction sur Vinicius, mais après, nous avons des joueurs qui vraiment pas gain et une mentalité de guerrier. Même Jean et Argentine gain là, côté gain plus le joueur, les a joué. Donc, ouais, il y a tout ça. Tout ça, mm-hmm. Donc, équipe brésilienne là. Et moi c'est que qui y a un petit problème, on va connaître qui coûte ça pas arriver et pour la sélection brésilienne de football, donc dossier à suivre pour et le Brésil. Et puis on va aller bon, et on va parler de l'équipe d'Argentine. Nous connaît depuis et dans 7 heures qui débat équipe Paraguay Angola 0. Donc Argentine, et nous connaît pour le moment c'est équipe à battre là et dans zone là, pour ne pas dire dans monde là, puisque Argentine c'est équipe qui gagne Coupe du monde là, donc champion du monde en titre, c'est même qui a remporté et dernière édition Coupe América. Donc toute équipe t'a vlé et bat Argentine, surtout dernière fois Argentine perdu c'était Arabie Saoudite qui t'a battu et dans Coupe du monde là, depuis lors Argentine pas jamais perdu. Et perdu et gagne gardien en tout qui c'est Martinez, dernier joueur qui bail goal c'est Mbappé et qui bail goal dans finale Coupe du monde là. Donc c'est un record pour et gardien argentin qui c'est Dibu Martinez qui a joué une équipe à Aston Villa qui est Kimbe et Kajli inviolé depuis après finale Coupe du monde. Donc Argentine et pendant la montée des cran et puis Brésil même descend. Donc on songe était gros pour tout, c'est Brésil qui t'a mené. Qui t'a mené exactement. Parce que dans début et année 2000, on songe et 2004 Brésil t'a gagné Coupe América avec Adriano, 2005 et gagné Coupe des Confédérations. Et pourquoi c'est Argentine au débat 2004 de goal à 1. Exactement. Les Adriano et tu fais goal dernier là, tu gagnes tout et 2005 c'est 4 goal à 1, tu débat Argentine en finale et Coupe des Confédérations et 2007 tu débat Argentine encore et dans finale Copa América, mais jusqu'à présent n'a pas eu pour moment là et Brésil lui-même l'a descendu et puis l'Argentine lui-même l'a progressé un peu d'ailleurs. On souhaite remporter Copa América, finalissima et Coupe du monde. Donc nous pas connaît qui bosse pas le camper pour la équipe sélection d'Argentine de football. Gagné magazine américain Forbes qui t'apprend la calculer coût accumulé et gagné par grand joueur dans le monde de football là en côté en première position. Le jeune c'est Cristiano Ronaldo, nous connaît qui après qui t'a le jeu sous l'équipe qui est et Al Nassr là dans pays Arabie Saoudite. Et bien Cristiano Ronaldo lui-même qui est que lui devancé Lionel Messi avec 260 millions de dollars et dont et 200 qui t'a pas offert par club là c'est Al Nassr et puis en Arabie Saoudite qui était ou bien qui saute et nous avons dit junior accords commerciaux de sponsors. Kylian Mbappé beaucoup de parle qui gagne 128 millions et puis gagne Lionel Messi 135 avec des millions. Lionel Messi placé en troisième, en deuxième position puisque avec 128 millions pour Kylian Mbappé il est lui en troisième et puis gagne Neymar qui 112 millions d'euros pour capable et revenir en top 10 là. Gagne Karim Benzema qui a joué sous l'équipe qui est à l'Ittihad là qui a touché là, c'est ça, qui a gagné 106 millions. Gagne Ellen Butch Allen Manchester City 58 millions. Gagne Mohamed Salah Liverpool 53 millions. Sadio Mane qui a joué sous l'équipe à la 52 millions. Kevin De Bruyne Manchester City 39 millions. Ou encore Harry Kane qui a joué sous l'équipe Ben Dominic là, 36 millions d'euros. C'est top 10 des grands joueurs qui nous capable de dire en quelque sorte à gagner et somme l'agence AIO pour l'année 2023. Et puis, et l'autre côté, toujours Jean Kirby en Europe, je vous dis, dans le cadre qualification pour Euro 2024 qui va le faire dans le pays d'Allemagne, Estonie tombe la Cali 0-2 face à l'équipe Azerbaïdjan. Pays-Bas tombe la Cali 1-2 face à l'équipe la France. Là. Donc Pays-Bas tout et son autre cas, nous allons parler de Jean Kirby. Mm-hmm. Il y a Mbappé qui marque un doublé et le fini Kounia et 4e meilleur buteur histoire sélection française. Là. Mm-hmm. Irlande tombe la Cali 0-2 face à la Grèce. Autriche tombe et 3-2 face à l'équipe la Belgique. Là. Islande fait match avec Luxembourg et un goal partout. Portugal bat à Slovaquie 3-2. Ronaldo qui fait un doublé. Et puis il y a Bosnie-Herzégovine qui bat l'équipe et Liechtenstein de goal 1-0. Donc les Pays-Bas et la France qui qualifié pour Coupe d'Europe là et gagné équipe Portugal elle-même qui qualifié jeudi après victoire
et puis il y a la Belgique lui-même tout et qui est qualifié et pour coupe d'Europe et qui pourra le faire dans le pays de Copa América. C'est 2024 tout, 2024 tout et Copa América fait. Donc c'est ça qui gagne. Donc Pays-Bas et bon regard des classements et dans le groupe B1 qui gagne et Pays-Bas avec la France. La France lui-même qui déjà qualifié avec 18 points. Deuxième la Grèce 12 points. Donc Pays-Bas là et après que c'est deux premiers qui ont qualifié, puis et troisième dans le barrage. Donc Pays-Bas qui troisième jusqu'à présent et qui gagne un pile dans le barrage là, même s'il capable toujours passer devant l'équipe et la Grèce. La Grèce là. Et puis dans le groupe Portugal là, c'est et premier match Portugal prend goal dans une trois saillot. Il a gagné 21 points, deuxième Slovaquie 13 points et puis troisième Luxembourg 11 points. Il y a une différence plus 25. Le Portugal qui baille 27 goals, il prend seulement deux goals non. Et nous avons pour Coupe d'Europe et 2024. Donc, Pays-Bas, j'ai dit, qui perdu. Et la France battu à aller-retour. Nous avons lancé 4 goals à 0. Et puis, jeudi, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et qui battu 2 goals à 1. Donc, sélection et Néerlandaise, là, nous sommes qui passent un peu le grand joueur. Et par exemple, et gagné et Richard, gagné. Et Van Basten, Wout Gullit, et Guyen Johan Cruyff. Donc, c'est des grands joueurs et qui passent dans le monde football, là, qui sont néerlandais. Et puis, nous sommes son sélection tout, qui toujours joue bon, bel football. Bel football. Et qui passent tout, et soit font classement, et top 3 entraîneurs, top 5, pour jouer au moins hollandais qui la donne. Qui la donne. Par exemple, Luis Michel, c'est un plus grand entraîneur qui gagne dans le monde football, là, qui passe la donne, son hollandais. Donc, il faut qu'on mette la donne. La Hollande qui va gagner la Coupe du Monde, il a perdu 3 finales. 74 face à l'équipe allemande, 78 face à l'Argentine, et puis 2010. Quand et l'équipe espagnole et un goal à 0, donc le champion seule fois et c'est en 48 la Coupe d'Europe. Oui, en 48 des champions et Coupe d'Europe là, mais après et que ce soit belle génération qui a gagné Van Basten et Cruyff, oui, ça ou pas, il pas prend rien, il pas prend rien et puis génération qui a gagné tout Schneider et tout le monde ça Ruben. Et Ruben Van Bommel et pas arrivé gagner rien avec sélection hollandaise, ça fait au Lille équipe belle maillot et Jean Kirby et puis gagne la France tout. Donc la France c'est pour le favori numéro 1 et pour Coupe d'Europe ça gagne ou divoler tout qui fait qu'on est c'est la France qui a gagné et Coupe du monde là c'est pour l'équipe à Coupe d'Europe là c'est pour l'équipe à battre. Donc la France qui gagne Coupe d'Europe ça deux fois déjà et qui arrive 24 avec Platini et puis en 2000 le gagne avec Zidane. Donc la France qui pourra le garder, rappeler que 2016 était perdu et là Caillou Portugal et face à l'équipe portugaise là. Donc la France qui pourra le garder et qui ça le cas fait pour la Coupe d'Europe 2024. Et puis en Espagne très rapidement avec information de l'équipe qui est le Barcelone, Andy international polonais qui c'est Robert Lewandowski, nous connaissons qui est après le blessé lors de victoire Barcelone dans la Ligue des Champions contre l'équipe FC Porto, un grand goal à 0. Et bien Robert Lewandowski, d'après information qui devant nous là, ta est disponible pour capable à disputer classico là pour Barcelone devant l'équipe Real de Madrid là le 28 qui pourra venir là parce que d'attendre pour nous connaître comment ça parler pour Robert Lewandowski ou du moins si que il pas pour aller chiter tout dans ça qui gagne avec blessure dans entraînement. Donc est-ce que c'est pas force à forcer le tout? Bon, ça capable. Il y a un fun qui dit en tout, il a regardé comment il a retourné pour le jeu pour Barcelone. Et puis il y a un jeune latéral gauche là et Balde qui blessé hier face à l'équipe écossaise là qui va passer quelques jours en dehors du terrain, mais concernant présence li face à l'équipe Real Madrid dans classique ou en li incertaine. Donc n'a pas tant que ça va passer pour Barcelone déjà qui gagne et Pedri qui blessé, Frenkie de Jong gagne Lewandowski et Jules Koundé de Koundé et blessé pour Barcelone. Donc après suivre et qui ça qui va le passer pour et Barcelone. Et puis Andy gagne Dan Burn latéral gauche équipe Newcastle qui gagne 31 ans qui prolonge contrat jusqu'en juin 2025 avec Mac Paiso. Donc et Dan Burn fanatique équipe Paris Saint-Germain capable de songer plus récemment, il était marqué dans 4 goals il était équipe Paris Saint-Germain. Donc Ben pardon
li et prolongé contrat de année supplémentaire avec équipe Newcastle. Est-ce que tu as un bail qualification euro? Euro? Hein. Ah bien OK, pas un problème. On quitte à qualification euro pour nous capable aller l'autre côté avec information yo toujours à l'échelle capable aller toujours pratique en attendant moi checker ça. Et au capable aller toujours. Et puis et l'autre côté Jean Kirby gagné hier et nous connait gagné plusieurs joueurs italiens et qui est sorti et dans rassemblement puisque il était impliqué dans ça qui a voir avec Paris Sportif et bien gagné Juventus de Turin qui fait connait que et limité joueur là à la disposition c'est Fagioli pour et la police capable mener enquête sur joueur et pour le garder exactement est-ce que li impliqué dans ça qui a voir avec Paris Sportif et joueur qui a sanctionné pour 3 ans sans li pas jouer et football donc et c'est ça et qui gagné et puis il y a Ronaldo tout dans pays Iran qui était et embrassé yon fanatique entre parenthèses yon la dion pet et puis et en Iran, nous connaissons deux fois toutes les équipes qui gagnent dans le pays. Et ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent dans le pays. Donc, ils ont comme un acte adultère. Puisque Ronaldo lui-même était arrivé embrassant, il n'a pas embrassé Bézenon, il mettait 1000 sous l'épaule. Donc Ronaldo, et l'autre bord, il fait ça, il prend 94 contre Guigouaz. Et comme peine donc et selon avocat et iranien donc Ronaldo patan et prend contre gaz ça faut au moins elle est présente excusée et faut dire il pas connait et si ça c'est une violation et dans l'autre bois donc c'est ça qui vient pour Cristiano Ronaldo tête chargée en aller directement dans NBA surtout avec match ou bien game pré-saison yo surtout hier. Et gagne équipe Thunder, Oklahoma Thunder qui tombe devant Detroit Pistons 125-128. Gagne Cleveland Cavaliers qui tombe devant Orlando Magic 105-108. Gagne Washington Wizards qui gagne équipe Charlotte Hornets 98-92. Atlanta Hawks gagne Memphis Grizzlies 103-102. Et puis gagne New Orleans Pelicans qui tombe devant Rockets 87-120 dans game précision à NBA. Et puis et j'ai quelque bien ça gagne rapport avec record dans sélection française là et Giroud vini aujourd'hui comme joueur qui plus âgé qui joue un match officiel pour la sélection française de football donc Giroud qui a 37 ans et qui vini joueur qui plus grand monde qui joue un match officiel pour la sélection française de football avec Olivier Giroud, le premier buteur histoire sélection française avec 54 goals devant Thierry le même qui était pointé ça fait quelques années et qui gagne le même 51 goals donc son record c'est Mbappé et la bat puisque Mbappé déjà gagne 42 goals avec yon et 60 de matchs Mbappé et qui gagne et qui va gagner 25 en tout et qui va capable battre quoi ça dans 3 et on m'a dit 2 à 3 ans qui va venir et puisque et c'est gardé et 42 54 donc c'est 13 goals qui va pas le besoin et pour le capable battre record Olivier Giroud qui s'est mis à buteur histoire sélection française de football là. En Espagne, il y a l'équipe Real de Madrid là qui a continué à suivre ou bien a continué à rechercher là pour capable renforcer effectif yo et non pour offensif yo tout en vue de ce genre qui pourra venir là après arriver de Ocelo Mato qui était capable ou bien qui est capable remplacer donc Karim Benzema et bien direction Real de Madrid là qui gagne yeux qui fixé là sur deux attaquants de premier plan qui a évolué actuellement là dans Bundesliga qui c'est Victor Boniface et Serou Girassi bien nous pas le temps pour nous connaître comment ça va passer là pour équipe Real de Madrid qui a fait Gedo avec deux messieurs ça puisque nous connaît et Ocelo qui déjà gagné 33 ans là ça veut dire Real de Madrid qui est pas capable Ocelo peut-être pour plus années encore et bien si ça fait ils ont commencé j'étais dévolu là sur Victor Boniface avec Serou Girassi bon on dit c'est des joueurs qui ont marqué goal qui a marqué
surtout et Girassi, hein, qui a déjà marqué 13 goals. Oui, c'est Ligue Bité même, Ligue Bité l'autre bois. Qui a joué une équipe Stuttgart là. Et puis il y a tout Boniface qui a joué dans Bayer Leverkusen. Donc son joueur Xabi Alonso prend. Et nous connaissons Xabi Alonso qui a un peu de chance pour être capable de venir entraîner l'équipe Real Madrid là pour la saison qui va aller. Parce que Ancelotti, lui-même, il n'est pas prêté pour la saison 2025 là. Dans le club en saison 2024-2025, dans le club Real de Madrid. Et puis en Angleterre, Guignesson qui est lui comme meilleur joueur pour moi, septembre dans le pays d'Angleterre. Et puis nous connaissons une équipe Tottenham. Et puis Guignesson Postecoglou lui-même qui est venu comme meilleur entraîneur pour moi, septembre. Lui-même tout qui s'est entraîné l'équipe Tottenham a appelé que et Tottenham est en première position. Non, et première ligue là qui pas coup perdu et yon match dans championnat. Donc après Tottenham a perdu à Arquette, en plus monde dépensé d'après le rire c'est net, mais c'est pas ça qu'a fait jusqu'à présent. Et pour ce plusieurs côté et ont gagné Madison cap ben pile passe pour yo son cap marqué, même si Brésil a marqué quelques petits goals et tout en parlant de Richarlison. Mais et son équipe Tottenham qui est vraiment compact, qui joue et a dit qu'il joue bien et avec ballon, c'est pas équipe la Ligue la Cap Brésil, mais ils sont belle équipe pour Spuzio Cap bien limité et saison en Angleterre. Donc nous connaissons et qui côté puisque nous connaissons début de saison et toujours bien surprise, de même pour l'Espagne et nous à Girona depuis 3-4 journées qui était oui, classement la fête, et récemment elle était perdue. Donc nous connaissons que et Tottenham l'a toujours été comme ça et pendant toute saison du moins ça c'est sous bluff Tottenham payé, mais jusqu'à présent ça qui certain c'est que ils ont en première position dans la première ligue là. Et puis gagné milieu de terrain hollandais qui sera Ryan Gravenberch qui nous connaît qui tape juste sur l'équipe qui est le Bayern de Munich là, mais pendant mercato estival ça qui tape pour rejoindre l'équipe Liverpool là en provenance de Bayern de Munich pour un chèque qui est estimé à 45 millions d'euros plus bonus la donne. Et bien hollandais dans la conférence de presse qui t'a bail jeudi à lui faire connaître que et entraîneur Reds de Vulsio qui c'est Jürgen Klopp t'a joué un rôle clé dans et décision pour le jeune club anglais. C'est ça que Gravenberch lui-même t'a pral déclaré jeudi à la concernant de et façon qu'il t'a rejoint équipe qui est Liverpool là. Donc Jean Kirby en salue et la guerre chez les mêmes cap suivre nous qui c'est ancien collaborateur de site là. Et on dit gagné Kinsey Coman qui vient comme premier joueur dans la sélection française là et qui joue 52 matchs, il pas jamais fini une Jean Kirby. Donc c'est un record et Kinsey Coman il bat dans la sélection française là, donc un record qui est un peu négatif puisque son joueur qui a joué 52 matchs même pas jamais fini match yo. Pour la sélection française de football, donc on est Kinsey Coman qui est formé dans l'équipe Paris Saint-Germain, qui fait un peu le temps et dans Bayern de Munich, qui remporté la Ligue des Champions 2020, surtout c'était marqué goal et face à l'ancien club. Et pour qu'on y a les mêmes qui a fait un bon début de saison pour Bavarayo. Donc joueur qui est aujourd'hui pour la sélection française de football. Il est venu comme premier joueur et qui jouait 52 matchs sans pas jamais finir. Pour français, gagné Chelsea qui c'est club londonien non capable de dire qui est vraiment insatiable sur le marché de transfert et qui a préparé une nouvelle offensive lors de prochaine fenêtre de transfert qui pourra l'ouvrir là à partir de janvier qui pourra venir là. Et bien si récente des clubs londoniens c'est attaquant et RB Leipzig là qui c'est Loïs Openda ancien Lensois et bien qui gagne 23 ans actuellement là qui n'en poste d'équipe RB Leipzig là. Et bien Chelsea lui-même qui montre très intéressé avec ancien Lensois lui-même qui c'est Loïs Openda. Nous parle tant de pratique pour nous connaître comment ça va passer pour Chelsea avec toute équipe, avec toute Loïs Openda. Bon, pas sympathique, la nota de mettre en fin avec dernière sortie émission Sport 91 pour ce maintenant. Nous remercions tout le monde qui était à Bord 91.3, tout le monde qui était en bas live et Facebook là, soit sous page émission, même qui c'est Sport 91, bien sous page Radio Toxique FM. Rendez-vous avec moi-même à Patrick, c'est va pour
lundi 6 pour même émission dans même et à sous même radio. Merci Manuel qui t'a fait manœuvre technique yo et bye bye à chaque monde. Bon week-end.